Je le règle déjà à l'œil, après je... Bah quand il y a les yeux qui sont bons, c'est bon. Pas réglé. Mais à mon avis, la chaudière, elle a été nettoyée, la chaudière, oui. Ouais, elle est toute propre. Quand je vois de la suie noire comme ça qui sort, là. Ah, mais là je ne l'ai pas fait. D'accord, hein. Ok. Non, là, je ne l'ai pas fait. Et ce qui est fait, c'est tout ce qui est chaudière. D'accord. Voilà. Et la cheminée. On voit rien. Ah bah ouais, quelle lumière, ouais. Ça c'est le problème des... Attends, tu mets pas Dieu prendre tout le... La cheminée, elle est gainée ou pas? Elle est gainée. Il y a une gaine dedans? Ah ben non, c'est que les poissons. Voilà, c'est que les poissons. Hein. Oui, c'est que les poissons. Non, elle n'est pas gainée. Ça aurait été mieux s'il aurait été gagné, non? Non, c'est pour savoir par rapport aux températures de fumée. Ah, ok. Parce que si les températures de fumée sont trop basses, après ça va condenser. Non, à partir de quelle température ça condense? Ça dépend. En dessous de 200, là, il y a des risques de fumée. Donc après ça dépend où la cheminée elle est située. Si elle est située, si elle est bien exposée au froid, voilà, par exemple, si admettons la partie sous le toit là, il n'y a rien d'isolé, si les températures sont trop basses, c'est sûr que ça va pisser. Hein. Donc, elle est isolée, elle est isolée. Voilà. Si ça pissait pas avant, normalement ça pissera pas maintenant. D'accord? C'est pour ça que là je regarde, on a 190 degrés de température de fumée. Mais pour l'instant c'est raisonnable puisque on est seulement à 30 degrés de chaudière. D'accord. D'accord, donc quand on sera à 60, ça va nous rajouter, vous voyez, à peu près 20 degrés, donc on sera bon. On aura 215, 220 degrés et c'est bon. C'est pour ça, parce que là j'ai fait une chaudière fioul chez quelqu'un qui a une immense maison. Ouais. Donc sa chaudière fioul est dans un hangar et la chaudière elle est... Ça part tout de suite dans le grenier de cheminée qui est haut, mais ouais. Le grenier de cheminée... Et en fait, elle est située à l'extérieur. Ouais. Donc, et au nord. Et donc, il a une condensation de fou. Ouais, le mieux c'est de gainer, hein, de toute façon. Donc, en dessous de 200, ok. Et il n'y a pas trop grand chose à faire pour transformer ça ou pas? Pour augmenter les fumées? Ouais, pour augmenter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça... Ah mais là, faut gainer après. Il hein. n'y a que le gainage. Ça dépend. Ou si le client il n'a pas les moyens ou il ne peut pas gainer, il faut s'arranger pour augmenter les températures de fumée. Ouais. Et sans augmenter la puissance du mouleur. Bah ouais. Au risque de bousiller la chaudière. Bah, dans moment, donc il y a ça. Ça dépend, il y a certaines chaudières. Celle-là, ça doit pas être le cas, mais. Où vous avez des turbulateurs dedans. Ouais. Ah des turbulateurs, ouais. Comme les franco-belges, les deviatrices, des choses comme ouais, ça. Ouais, d'accord. Des fois dans les docks, c'est marqué pour augmenter les températures de fumée, enlever. Tel ou tel machin, comme ça, automatiquement. On conserve la puissance, mais on augmente les températures de fumée. Par contre, on perd en rendement, bien entendu. Oui, on perd en rendement. Donc le but du jeu, c'est plus de gainer que d'augmenter les températures de fumée. Ok. C'est un peu dommage de perdre du rendement. D'accord. Ça,
Putain, je suis content d'apprendre. Mais rien. D'accord. Je suis content, hein. Moi, je suis pas Padawan avec. Non, je suis pas. Je fais des références à Star Wars. Ah. Avec Padawan Fuel. Avec Maître Fuel. Ah, c'est particulier le Fuel, hein. Ouais. Le gaz, c'est plus simple par rapport à ce qu'on pourrait croire. Ouais, oui, c'est ce que je trouve. Ouais. Et les paramètres sont toujours les mêmes. C'est la moitié moins fluctuant. Ouais, exactement. Ouais. Et zut. Nickel. Bah avec un tout. Allez. Juste vérifier de ne pas faire continuer. Hop. Bah, vous pouvez la... Allez.